بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني هذه المحاضرة سوف تكون باللغة الأجنبية باللغة الفرنسية Bon, le titre de cette conférence est Globalisation, humanisme, religion. Il va être présenté par notre professeur Michel Dardenne. Avant de commencer, je vais donner un aperçu sur sa vie. Bon, Michel Dardenne est un Belge musulman. Conseiller d'éducation. Il est auteur du livre L'Islam dévoilé. Il est né en Belgique en 1959. Il a suivi son enseignement supérieur en Belgique, où il a eu sa licence en finance et marketing. Il est parti aux États-Unis pour décrocher un master dans le même domaine. Et c'était en 1983. Elle est revenue en Belgique pour commencer sa carrière dans le même domaine, dans le domaine de l'informatique. Il est à noter enfin qu'il est aussi chercheur et professeur dans ce domaine. Il participe à des conférences universitaires. Donc, je demande à notre professeur de présenter son sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل آله وسلم. Salam alaikum à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Carrefour des civilisations et vous tous de l'invitation. C'est un grand honneur pour moi que je puisse partager finalement une expérience personnelle qui dure depuis un certain nombre de dizaines d'années, où j'ai moi-même été un petit peu englobé dans cette dans ce mouvement planétaire qui se passe, la globalisation. Et puis j'ai été éduqué dans un endroit où j'ai été éduqué comme catholique, hein, mais en Europe catholique, on éduque les gens en tant que catholiques, un petit peu comme on raconte les histoires sur Saint-Nicolas aux petits-enfants, et puis le Père Noël, ça dure un peu plus longtemps. Et puis voilà, une fois on dit, voilà, tu es adulte maintenant, ça y est, Dieu n'existe pas. La raison, enfin, l'humanisme, les valeurs humaines, c'est ça qu'il faut connaître. Et donc voilà, moi j'ai été confronté à cette façon d'être élevé, d'être éduqué, mais évidemment j'ai été confronté aussi, vous savez qu'à Bruxelles, un quart des habitants maintenant sont musulmans, maghrébins d'ailleurs, principalement du Maroc. Et donc évidemment, ben, on est confronté à tout ça. Mais avant de parler, je voudrais un petit peu voir si tout le monde, qu'on se mette d'accord sur certains termes. Alors la globalisation, est-ce que ça vous dit quelque chose ce terme? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être plusieurs définitions. Comment est-ce que vous définiriez globalisation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ce que ça veut dire, globalisation? Oui. Oui, oui, merci. Standardisation, urbanisation, il y a d'autres personnes encore? Universalisme. Universalisme, oui, quelque chose d'universel. Oui, oui, c'est pas tout à fait... Enfin, il y a tout ça dedans, mais il y a d'autres choses. Globalisation, c'est un terme qui va être repris plus général parce qu'il était dans le domaine économique et finance. Économique et finance. Donc la base, c'est la globalisation, c'est un terme anglo-saxon, mais qui va être remplacé en réalité en français pour nous par l'anglais.
Voilà, la mondialisation, absolument, mondialisation. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est le terme économique, parce que c'est comme ça que ça commence, évidemment. Ça commence avec la première usine, ou le premier commerce. On rassemble des travailleurs de différents endroits, des rues voisines, des villages voisins, des villes voisins, des villages voisins, des pays voisins aussi, ou même moins voisins que ça, et on les rassemble dans une usine. Et donc, des tas de gens qui viennent de partout se rencontrent. Et puis, c'est très bien, ils produisent plein de choses formidables. Et puis, en plus, ils repartent tous pour aller vendre ça dans tous les coins du monde, parce qu'évidemment, on ne produit pas juste pour le quartier, on produit pour le monde aussi. Donc, ça veut dire que cette mondialisation ou globalisation, c'est vraiment toute l'économie qui passe du modèle local, hein, où le tailleur du coin de la rue, il fait des belles robes, des beaux costumes pour tout le quartier. Mais là, non, globalisation, non. On met une usine avec des gros moyens, beaucoup de machines, on fait des tissus, beaucoup de modèles, beaucoup de stylistes, des boutons de toutes sortes, des attaches. On fait des choses qu'on ne peut pas faire juste dans le quartier. Et donc, ça donne plus de choix aux gens. Vous savez, il n'y a pas que les vêtements, évidemment. Hein. Vous faites ça, les voitures. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un ici. Je ne sais pas qui aime les voitures ici. Il y a des gens qui aiment les voitures, qui aiment les belles voitures. Ouais. Il y a des architectes ici. Hein. Normalement, il y a des gens qui aiment bien des belles voitures. Hein. Donc, on voit quelques-uns. Mais si, par exemple, vous dites, moi, waouh, ça, c'est mon truc. Je veux aller dessiner des belles bagnoles. Waouh, super. Bon, on va tout de suite vous demander, c'est quel style que vous préférez. Ah, moi, j'adore les italiennes, vraiment, c'est trop beau. Est-ce qu'on fait des voitures italiennes ici? Non. Donc déjà, si vous étudiez ça, vous aurez envie de déménager en Italie. Ou peut-être quelqu'un dit, non, moi, c'est les voitures japonaises, j'adore. Hop, vous changez de continent encore vers l'Est. Donc ça veut dire que c'est dans l'être humain, les gens qui veulent faire des choses qu'on ne peut pas trouver près de chez soi, eh bien, ils déménagent. C'est la même chose, vous savez, si on fait des choses en local, il y a de l'huile, par exemple, ici, délicieuse, hein, l'huile d'olive. Ah, formidable. Si vous dites, moi, l'huile d'olive, je fais de l'huile d'olive, génial. Ils vont aimer ça jusqu'en Norvège. Oui, mais donc il faudra aller jusqu'en Norvège pour aller la vendre. Si vous faites vraiment des huiles exceptionnelles, elles vont être demandées jusqu'à New York, jusqu'à Hong Kong, partout, Tokyo, etc. Et donc, la globalisation, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas arrêter ça. Tout ça accélère de plus en plus vite. En plus, maintenant, il y a Internet. Hein, ça veut dire que les gens ils disent « je veux la meilleure huile », hop, ils tombent voilà, sur la ferme Fatim Zahra Ben Dadou à Meknès, tout près de Meknès. Ça y est, voilà, je veux cette huile-là. Et les commerçants qui disent « c'est bon, je vais la chercher, je vais la vendre, on va mettre une belle étiquette, on va faire de la pub, on va vendre ». Et donc, cette globalisation, elle fait que des tas de gens, de toutes sortes, se rencontrent. De plus en plus. Tout ça prend une accélération phénoménale. Alors, les religions dans tout ça, ben, je ne sais pas, est-ce qu'on peut définir ça, c'est quoi la religion? C'est quoi, c'est une religion? Ça veut dire quoi? Oui? Croyance. Alors, la croyance, la foi, oui, oui. Absolument, on croit en quelque chose, on croit en Dieu, mais qu'est-ce qu'on croit encore? Parce que là, c'est pas juste croire en Dieu, c'est un peu plus que ça quand même. Pardon? Idéologie, alors il y a idéal là-dedans, qu'est-ce qui est idéal dans cette idéologie? Logie, c'est les études de quelque chose, des idées. Alors c'est juste pour étudier les idées qu'on croit en Dieu? Pardon? A-t-elle levé la main parce que je les entends? Oui. Alors il y a des rituels, absolument. Donc il y a un certain rythme dans la vie, il y a un certain rituel, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On cherche à résoudre notre équation, d'où on vient, où on va, Voilà, on a tous des questions. Hein. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va? Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Juste là, on vit comme un animal ou est-ce qu'on a quelque chose d'autre? On cherche quelque chose, c'est sûr. Oui, quoi d'autre? La spiritualité. La spiritualité, c'est très large. C'est quoi? C'est communiquer avec des esprits? Non, la spiritualité, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Non, mais la spiritualité de l'être envers Dieu, c'est la religion.
Oui, la spiritualité, mais c'est très large comme terme, la spiritualité, oui. Ah, ça j'aime bien aussi, un mode de vie. Un mode de vie, c'est comme ça qu'il faut vivre et pas comme ça qu'il faut vivre. Quelque chose comme, voilà, les livres saints qui sont quelque chose comme, tous vous allez concevoir des choses, je suppose, tant d'architectes, peut-être vous allez concevoir des belles caméras, peut-être des belles voitures, peut-être, enfin tous ces appareils, ils ont un guide d'utilisation. Et donc on peut considérer aussi que les livres saints sont des guides d'utilisation, oui. Le remède du nihilisme. Donc voilà, pour éviter le néant quand même, juste là, la matière, on est des animaux, on naît, on meurt, c'est vrai qu'on ne supporte pas, quoi. Je suis venu juste ici pour prendre tout ce que je peux, pour me satisfaire autant que possible, et puis après c'est fini, non, c'est vrai que c'est... Oui, on cherche aussi la religion pour ça. Et donc les religions, eh bien, en effet, c'est toute une série de choses... Moi, j'aime beaucoup, je dirais, l'aspect code de conduite, hein, la spiritualité, éviter le nihilisme, la foi, etc. C'est vrai que c'est important, mais ce que j'ai le plus découvert dans la religion de l'islam, c'est comment il faut faire pour vivre heureux. Quelles sont les règles à suivre pour résoudre tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie. Et donc le message de Dieu, pour moi, c'est pas juste des petites histoires, non, c'est quelque chose de très concret. Mais le message de Dieu, il est arrivé à différentes périodes, à différents endroits et dans différentes populations. Et donc, voilà, toutes ces religions qui sont restées un peu figées parce que les gens ne se rencontraient pas, ou pas autant qu'aujourd'hui, eh bien maintenant, tous ces messages se rencontrent. Alors des messages très forts, hein. Il n'y a pas que le judaïsme, le christianisme, il y a les hindous, il y a les bouddhistes, il y a les musulmans, ça c'est les grandes religions, mais enfin bon, dans toutes ces religions, parmi les chrétiens, il y a les catholiques, moi je suis catholique à l'origine, hein, mais il y a les protestants aussi, les orthodoxes, et dans les protestants il y a les baptistes, les méthodistes, les anglicans, il y en a des églises, hein. Alors, parmi les musulmans, il y a chiites, sunnites, on va dire. Enfin bon, même là encore, il y a plusieurs écoles, les malikites, etc. Et la même chose hein, chez les bouddhistes, chez les hindous. Et il y a encore des tas de petites religions partout. Donc ça veut dire que tous ces messages, ils sont arrivés. Et voilà, ils se rencontrent tous maintenant. Des différents rites. Ah, on prend le congé le samedi. Ah non, on prend le congé le dimanche. Ah, nous, on fait la prière le vendredi. Mais c'est quoi maintenant? Alors, donc ça veut dire que tout le monde a son rythme différent. Et face à ça, il y a l'humanisme. Alors l'humanisme, c'est un courant, je dirais, culturel, principalement d'origine européenne. Déjà, ça commence avec les Grecs, hein, Socrate, Platon. Mais ça a continué bien après, évidemment, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Il y a des nouveaux humanistes aujourd'hui qui réinventent certaines choses. Et ce qui a été un point fort, surtout, je dirais, à partir de l'Italie, c'est-à-dire qu'au début, enfin, à la Renaissance, l'Italie a joué un rôle très fort pour répandre l'humanisme. D'ailleurs, c'est juste après que Fibonacci, grand mathématicien italien, a fait la grande publicité et a démontré comme les chiffres arabes sont tellement bien pour faire des calculs jusqu'à l'infiniment grand, mais aussi avec la virgule et le chiffre jusqu'à l'infiniment petit. Ils ont finalement, à la fin du XIIIe siècle, laissé tomber les chiffres, les nombres romains, pour reprendre les chiffres, donc chiffres inclus, le zéro inclus. Et ça veut dire que déjà à cette époque-là, un des grands humanistes était Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, c'était un homme... Voilà, c'est vraiment l'exemple, enfin, quelqu'un qui a pu étudier, il a étudié plein de choses, hein, de la mécanique, l'architecture, tout ce qui était, enfin, c'était toute la technologie de l'époque, toutes les nouveautés. Il était mathématicien, mais il était philosophe, il était humaniste, enfin, il n'a pas arrêté d'étudier plein de choses, inventer plein de choses, donc, mais il a dit, tout ça doit être accessible. Ça doit être accessible pour les grandes masses de peuple. Il y a des tas de gens qui n'avaient pas l'occasion, comme lui, d'étudier tout ça. Et ce qu'il disait, ce qui compte vraiment dans l'humanisme, c'est de rendre tout ça accessible, tant la culture que les religions. Mais évidemment, les humanistes, et beaucoup d'humanistes surtout qui ont suivi après ça, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il y a des gens qui se nomment humanistes à l'opposé
des religieux. Parce que l'Église catholique en Europe n'a pas toujours fait que des heureux, n'a pas toujours fait d'ailleurs que de la religion. Parfois, il y avait des choses qui déviaient un petit peu. Et jusque de nos jours, d'ailleurs, entre nous, hein, il y a parfois des scandales encore que tout le monde connaît bien, avec certains prêtres qui font pas toujours ce qu'il faut avec les enfants. Je veux dire, il y a des gens qui ont trouvé donc des tas de bonnes raisons pour se battre contre la religion. Et ils ont dit, non, ce qui compte, c'est pas juste le message de Dieu. Non, non, ça, c'est du vieux bazar pour les vieilles personnes. Il y a dans le temps, c'est bien pour comme base, voilà, jusqu'à 15 ans, 18 ans. Mais après ça, attendez, une fois qu'on est adulte, on est plus intelligent maintenant, on étudie plus. Et donc, ils ont dit, voilà, en plus, il faut de la démocratie, il faut un peu du pouvoir au peuple, etc. Donc, ça veut dire que, voilà, l'humanisme, ça a été beaucoup, ça a beaucoup débordé sur des tas de raisonnements qui parfois sont tout à fait même anti. Dieu. Et donc, voilà, face à cette globalisation, eh bien, tout ça se réunit dans un grand melpot, je dirais. Tout le monde est donc mélangé à tout le monde. Alors, au Maroc, il n'y a pas encore énormément d'étrangers, mais je dirais, ça va venir et vite. Hein. Regardez, dans le Nord, il y a une crise en Espagne, là, tous les Espagnols descendent. Les Chinois sont occupés à venir, même les Africains, les Noirs, hein, même si le Maroc c'est aussi l'Afrique, mais enfin, quand on dit Africain, c'est ceux qui sont Noirs. Ça veut dire même le Maroc est occupé à se mélanger, et je peux vous garantir, ça va s'accélérer très vite. Hein. Moi, je suis ici depuis 5-6 ans, déjà je vois que ça commence. D'ailleurs, même moi, je suis là aussi, hein, donc je veux dire, ça se mélange. Il n'y a pas que les Marocains qui vont à l'étranger, il y a d'autres gens qui viennent ici, et ça veut dire que le monde entier est occupé à se mélanger. Et donc forcément, eh bien, on a beau étudier tout ce qu'il faut, on est plein de questions. On est plein de questions, et évidemment, bon, il y a la tendance de dire, ah, l'Occident, oui, les belles maisons, les belles bagnoles, on fait la fête, c'est formidable, il y a les beaux bijoux, même la technologie, Internet sur le téléphone, on retourne, c'est en or avec des bijoux, il y a de tout, hein. Il y a de tout, c'est formidable, on construit même les bureaux au bord de la plage, voilà, formidable. L'Occident, le capitalisme, c'est vraiment le modèle, ça marche. C'est vrai qu'il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent très bien, hein. Il y a la technologie, le commerce international, il a fait des bonnes choses. Et puis il y a des petites choses comme ça, la première cause de décès, cette saleté, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que les gens se cassent la santé avec ça? La première cause de décès, c'est idiot, hein? Des cancers, les cœurs qui vont mal, en plus la pollution. Et alors ça, je dirais, c'est quand même un grand espoir pour l'humanité, parce que même les humanistes, depuis quelques années maintenant, ils ont dit ça y est, ça suffit. Stop la cigarette. Ils font maintenant des coins fumeurs. Dans la gare, ça suffit. L'arrêt de tram, on arrête de fumer. Dans le restaurant, interdit. Ouais, non, moi j'ai des clients, je fume, je suis un restaurateur, je fume, mes clients fument, là, c'est fini. Oui, mais on a un club de fumeurs de pipe, on peut quand même fumer la pipe, c'est fini. C'est interdit. Si vous servez à boire et à manger, il n'y a plus de fumée. Oui, c'est une révolution, mais c'est passé. Parce que la majorité des gens se rendent compte, stop, ça suffit, ça coûte trop cher ce tabac. Ça tue les gens, mais avant ça, ça les rend malades. Parce que ça a l'air de rien, comme ça, les fumeurs. Mais c'est à l'intérieur, ils ouvrent la bouche, il y a des morceaux qui sont cancérigènes. Alors le médecin, il coupe des morceaux, encore un morceau, et puis un ou deux ans après, encore un morceau, et encore un morceau. Enfin, une fois qu'il n'y a plus rien à couper, ça y est, c'est parfois on coupe des doigts de pied. Il y a des tas de choses qui ne se voient pas. Mais évidemment, ça fout la santé en l'air. Hein. Ça coûte énormément d'argent. Mais c'est pas tout. Hein. L'alcool, c'est terrible. Mais combien ça tue de personnes? C'est maladif, hein. Tout ça pour avoir un petit moment de... Ah, on se sent mieux. On a un peu de stress, allez, une petite cigarette, un petit verre. Remarquez, les fumeurs, ils disent toujours une petite cigarette, et les buveurs, ils disent un petit verre. Enfin bon, c'est toujours des verres de taille normale, évidemment. Hein. Un petit verre comme tout le monde, ils disent. Hein. Non, je dis pas comme moi. Et puis voilà, ça fait des accidents. C'est amusant parce que l'autre jour, je faisais mes courses en Belgique et puis tout le monde écoutait la radio, même dans le magasin, parce qu'il y avait eu un accident, un monsieur qui avait bu 3 bières et qui avait écrasé 5 jeunes filles à vélo. Et à peu près toutes les 2-3 heures, il y en avait une qui mourrait à l'hôpital. C'est une catastrophe. Donc tout le pays écoutait, où est-ce que ça en est.
Et puis, dans le magasin, je vois des gens qui achètent de l'alcool. Et je dis, madame, c'est pour qui ça? C'est pour vous? C'est pour votre mari, vos enfants? Vous n'avez pas entendu, là, ce qui se passe? Oui, mais elle dit, mais c'est juste un petit verre. Enfin, je dis, c'est quoi, ça? Je dis, vous roulez en voiture? Votre mari roule en voiture? Vos enfants roulent en voiture? Et quel exemple vous montrez aux autres? Je dis, vous n'avez pas de conscience? Ça ne vous gêne pas? Ah oui, mais c'est un choc hein, pour ces gens. Oui, mais enfin, vous savez, on a toujours bu un petit verre. Ah, ben bon, en tout cas, c'est gravissime. En plus, les gens se disputent, ils divorcent, ils se volent des choses. Il y a plein de choses qui vont mal. L'alcool. Donc, moi, j'ai vu avec admiration que déjà, dans les fêtes ici au Maroc, les fêtes de mariage, il y a parfois le coin buveur, hein, comme le coin fumeur. Donc, c'est bien. Je dirais, il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas bon. Mais c'est pas tout. Il y a encore un autre problème dans tout ce luxe, c'est des violences. C'est terrible. Et vous vous rendez peut-être pas compte de ça, parce que tout ça se fait en cachette. Hein. C'est toujours quand l'homme et la femme ils sont seuls hein, que l'homme y frappe. Hein. Il ne fait ça jamais devant les autres. Hein. Mais là, parfois, ma femme, quand je suis seul avec elle, elle me dit parfois des choses trop graves. Hein. Mais ça y est, c'était pas grave. C'était juste une petite claque, c'était pas grave. Et puis on voit l'autre qui... Oui, non, mais elle est tombée d'escalier, mais je ne l'ai pas fait exprès. Donc, il y a beaucoup d'accidents. Et vous savez que pour 10 millions d'habitants en Europe, toutes les 12 minutes, il y a une femme qui va à la police pour se plaindre parce que son mari la frappe. Toutes les 12 minutes, jour et nuit, 7 jours par semaine. Et il y a des tas de femmes qui ne vont pas se plaindre. Hein. C'est énorme. À l'école... Ah, on a enlevé la croix, on a enlevé la prière, il n'y a plus Dieu, ça y est, la grande liberté, on enlève tous les signes religieux, et puis les gamins, ils n'amènent plus des croix, et les jeunes filles, ils n'amènent plus des foulards, mais c'est les matraques qui viennent, les couteaux, les revolvers même. On entend ça, hein, de temps en temps, des gamins, ils se mettent à s'entretuer à l'école. Aux États-Unis, il y a des écoles où il y a maintenant des agents de police qui rentrent dans l'école pour un petit peu... Attendez, où est-ce qu'on va là? Même des parents qui frappent, qui tuent leurs enfants. Donc ça veut dire que toute cette délinquance, eh ben, elle amène à des situations qui ne sont pas toujours révélateurs d'un grand bonheur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. En Belgique, pour 10 millions d'habitants, enfin presque 11, c'est tous les jours 6 personnes qui se suicident. Tout le monde dans sa famille, quelque part, parmi ses amis, il y a bien quelques personnes déjà qui se sont suicidées. C'est un drame, hein. Et c'est de tous les âges. Hein. Alors, il y a les homosexuels, ça sont les champions. Moi, ça, c'est 6 à 8 fois plus que le restant de la moyenne. Donc, alors, l'homosexualité, mariage pour tous, etc., c'est un grand signe de bonheur. Hein. Moi, je veux rien exclure, hein, mais je veux dire, on ne parle pas de cette statistique. Hein. On ne peut pas dire que les homosexuels, ils se suicident plus. Hein. Ça, c'est vraiment indécent de dire ça. C'est des gens comme les autres. Hein. Oui. Et c'est du plus jeune âge. Hein. Il y a des enfants qui ne supportent plus la vie. Ouais, mes parents me détestent, mon prof me déteste, mes amis me détestent. Enfin, c'est pas toujours un revolver. Ils se pendent, ils s'empoisonnent, ils se jettent sous un train. Six, tous les jours. Tous les jours. Même des couples qui se séparent, des gens, ouais. Ils se trompent, l'adultère. C'est déjà prévenu depuis longtemps, hein, depuis Moïse. Hein, attention à l'adultère. Ça peut mener loin, hein. Donc il faut éliminer. Mais voilà, il y a des gens qui disent « Non, c'est la liberté, on fait même des sites pour rencontres, etc. Des sites pour des relations adultères. » Avec des grandes publicités dans Bruxelles, formidable. « Ouais, vous êtes marié, mais c'est pas grave. Clic, 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 clic. Trouver des gens avec qui faire un petit rendez-vous. » Voilà. Formidable. Mais les gens se suicident avec ça. Même au travail. « Ouais, ils me donnent pas le boulot que je veux. C'est l'autre qui a de nouveau eu la promotion, etc. » Les gens se sentent mal au travail. En France, il y a eu des grands scandales autour des agents EDF, des suicides en masse. Enfin, même les vieux, pour ne pas souffrir quand ils sont malades. Allez, non, ça suffit, on a assez vécu, les enfants en ont marre de nous, ça y est. On va maintenant demander à un médecin de nous suicider, de nous aider à partir un peu plus vite. C'est vrai, on a des petits maux, etc. Ça, les gens deviennent fous, hein. Et donc, voilà, moi j'ai eu un petit peu comme Leonardo da Vinci, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager, de beaucoup étudier, donc vraiment, voilà. Moi j'ai voyagé, j'ai appris des langues,
Moi, j'ai vécu déjà dans un pays où il y a le français, le néerlandais, et puis j'ai appris l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais. J'étais un peu travaillé dans tous ces pays. J'étais étudié aux États-Unis. Alhamdoulilah, c'était merveilleux. Maintenant, je suis ici dans un pays arabe, voilà. Un petit peu, alors l'arabia, annafidatu, hein, mais alors on dit chargem, hein, assayaratu, non, automobile, puis alors il y a encore le berbère. J'ai appris avec stupeur que la majorité des Marocains, ils vont plutôt dire manzakin, hein, oui, c'est extraordinaire. Mais donc, moi, j'ai trouvé ça passionnant, mais ce que je découvre surtout, c'est que tous les êtres humains, peu importe dans quelle société ils vivent, peu importe la langue qu'ils parlent, parce que moi, je m'amuse beaucoup à chercher c'est quoi la valeur exacte des mots. Ah, en plus, j'ai fait des études de traduction, donc c'est passionnant, c'est tout un art de traduire. Hein. Et on voit que tout le monde a le même problème. Et tout le monde est à la recherche de solutions pour ces problèmes. Donc, ça veut dire que, on étudie des tas de choses, hein, l'économie, même la psychologie. Moi, j'ai donné beaucoup de formations en entreprise sur tout ce qui est la psychologie, la communication, et puis l'informatique. Ouais, j'ai travaillé pendant 20 ans, 25 ans même dans les sociétés informatiques.